Dios. Celui que nous devons confesser en tout temps. Par le chant. Par notre manière de vivre. Il ressuscite, il pardonne nos péchés, il nous ôte le vêtement sale pour nous donner le vêtement de fête. Là où les gens nous condamnent, lui manifeste la grâce. S'il prépare un projet sur toi, cela s'accomplira certainement. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne le souffle. C'est Dieu qui connaît nos jours sous ses soleils. C'est pourquoi il faut combattre ma c'est pourquoi il faut te réfugier en Dieu. Azali le vrai ami. Azali Monica Malam. L'ami avec lequel il faut faire la marche. Il connaît tous nos problèmes. Et des solutions. Et c'est lui la solution à tous. Donc, qui s'il a le problème? C'est lui Jésus-Christ. Il est vraiment notre félicité. Quel que soit le problème. Et c'est lui notre félicité. Et ton cœur puisse ressentir qu'avoir Jésus, c'est avoir toute chose. Il ne faut pas avoir les désirs du péché. Mais avoir les désirs de la sainteté. Cherche à tout prix à combattre tout ce qui est mal. Élever l'amour. Élever la vie à grâce de Dieu. Lorsque tu vois les erreurs continuer à se commettre dans ta vie, tu dois pleurer devant le Seigneur. Parce que tu vas savoir celui qui marche dans l'intégrité, c'est Dieu qui lui a fait cette grâce. Il ne le mérite pas. De la même manière, il peut aussi te gracier. Il faut à tout temps pleurer devant le Seigneur. Il ne faut pas te réjouir par le mal. Si tu vois la vie du péché, c'est répété dans ta vie. Même si personne ne te voit, il faut pleurer devant le Seigneur. Le chef de l'armée de Syrie, le chef de l'armée de Syrie, Naaman, effectivement, il cherchait une solution. Nous comprenons lorsqu'il y avait une fille d'Israël dans sa maison, qui servante, qui était sa servante, ce qui maîtresse, hein. Elle avait dit à sa maîtresse, ce qui papa est à Israël, si papa se rend en Israël, il obtiendra la solution. Mais il était un guerrier. Parce qu'il y a Zaraki Mobundi, Naaman, il peut sortir dans le combat, à Longi, il va. Mais s'il rentre à la maison, il avait la lèpre sur son corps. La victoire qu'il remportait. Mais il sent qu'il souffrait. Il y a d'autres choses que les gens ne peuvent pas dire. Mais toi-même, tu peux faire la lecture de ta vie plus que ton frère. Il faut chercher une solution à cela. Ne pense pas que le frère qui est à côté de toi, c'est lui qui va te payer à la fin de ta course. Même s'il ne connaît pas ton affaire, Dieu connaît ton cœur. Parce qu'il s'appelle lui mon témoin. Cherche à être en paix avec le Seigneur. C'est très important. Les amis ont tout à pour les cas. En dehors de la vie de Christ. En dehors de la vie de Christ. Vie sur terre, il n'y a point de vie sur terre. La vie, c'est la vie à Christ. Bon, les amis, bon, mais à Christ, on est. Donc, ceux qui m'ont tout emmené dans ma vie. Si quelqu'un, tu marches sur la terre, et que tu n'as pas servi le Seigneur, on a raté le vrai rendez-vous. Ou tu as raté le vrai rendez-vous. On a raté. Tu as vraiment raté. Même sur la terre, on s'en dit,
8000 avions, même si sur la terre tu achètes 8000 avions, et que tu as des gisements de pétrole, tu es milliardaire, mais tu n'as pas pris au Christ Jésus. Tu as raté ton rendez-vous sur la terre. Parce que le vrai rendez-vous c'est rencontrer le Seigneur. Lorsque tu le rencontres, ta vie change. Que la richesse de tes mondes ne pourra te donner. Christ, c'est Christ qui te la donnera. Quand tu rencontres Christ, les vies dans les vies. Bon sens. C'est alors ta vie prend un bon sens. Malgré qu'on vive. Et tu commences à vivre. Souhaiter toujours y accomplir la boulange. Souhaite toujours vivre la bonne vie. Osana et Okonzama Bongisi Pona. Tu as quelque chose que tu as préparé pour toi. Linga Okomana. Il faut aimer y parvenir. Il faut la vie dans le même travailler. Il faut que dans ta vie, lorsque tu travailles, que tu puisses laisser des traces. Que tu puisses laisser des traces. Même aux amis et soeurs. Même étant une soeur un frère, ou un frère, tout à la Bible, nous lisons d'autres dans les Écritures. Nous voyons comment est-ce qu'ils ont marché. Et cela nous édifie davantage. Qu'est-ce qui manque? C'est ce que tu as désiré. Désire être celui qui montre aux autres ton côté positif. Et ta vie, ils ont formulé la porte au royaume de Dieu. Ta vie ouvre la porte au prier en ta faveur. Afin que tu vives l'ouverture. Il faut croire. C'est quel condiment? Que le Seigneur a tiré quelque chose de spécial dans ta mensonge. Que le Seigneur a mis quelque chose de spécial dans les serviteurs. Et c'est ça la divinité. C'est Dieu qui l'a mise. L'huile est un rôle de délivrer. L'huile a le rôle de délivrer. Moi, Jésus, avec l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Mon livre en Zambé, Zali, Nicolas Nangai. Dans Luc 4. Dans Luc 4. Il m'a envoyé. Penzambé à Papolita. Pour la mère, la bonne nouvelle. On a pour Panza Sangoumala. Libérer les captifs. Pour Tango la Matanga. Donc, cette huile-là libère. Ma foute à la Tango la Matanga. Même huile, Wana, ils ont la carte à la salle. Et c'est même huile, se retrouve dans les serviteurs. Le ministère de Christ. Vous salez autant, moi, Jésus-Christ. Or, Mangoy, Zali, il y a pour délivrer. Et son rôle est de délivrer. Donc, ceux qui ont lié dans les péchés, ceux qui ont la soumis, par la grâce que nous avons bâtie dans la salle, par la grâce que Dieu a mise dans les serviteurs, délivrer au facile. Et cela va facilement te délivrer. Il faut sentir que quand tu viens devant le Seigneur, vie est changée. Il faut sentir qu'en venant devant le Seigneur, ta vie change. Que tu constates que je ne suis plus comme j'étais avant. Nous ne venons pas blâmer. Nous venons pour le rendez-vous du ciel. Si j'entre et si je viens chez le Seigneur, je ne viens pas chez un homme. Je viens pour que Dieu me visite. Je viens pour que Dieu m'ouvre le... Que je puisse connaître les choses que j'ignore. Je suis venu chez Dieu. Et je ne puisse pas rentrer à vivre. Il faut que le Seigneur me donne la chose pour laquelle il m'a appelé. Viens vraiment dans les rendez-vous de Dieu. Les richesses que le Seigneur a promises à ses enfants. Quand tu es un de leurs, il faut que tu le vives. Quand le Seigneur a donné la suite par vertu, lorsque le Seigneur parle sur les qualités ou les vertus, donc parmi ça, mon âme, le bon des œuvres, il faut le mandat pour la vie. Il faut que tu dises, je dois le vivre. Que mon cœur doit garder ce qui est bon. Comme la parole dit que Malobanayo est son amour. Et que ce soit des belles paroles, des paroles qui édifient, des paroles de paix. Si je suis là seulement en train de blesser les autres par mes paroles, il faut que je prie. Que je demande à Dieu de pouvoir m'assister. Afin que j'ai des paroles assaisonnées de celles qui va édifier la vie de mon frère. Tu dois désirer cette chose. Il faut démarquer ça. Essayez pour que ce n'est pas là, il y en a dans ton qui. Vous sentez que vous t'envoyez dans un monde bien. Que tu saches qu'un homme monté a son voyage. Et donc, si tu as le tien, mais il y a une supprématie.
Mais sache que tu as la suprématie et l'autorité sur lui. Il va vivre notre solution par Otana. Même dans ta famille. À ta famille. Il faut que ta prière ait une efficacité. Il va savoir que ta prière a une grande efficacité. Il faut toujours reparler dans la prière en faveur de ta famille. Le Seigneur a ça. Et le Seigneur agit. Il ne faut pas reculer. Même dans nos maisons. À ta famille. Il faut apprendre le ban à la prière. Prenons à nos enfants la prière. Ton enfant n'est jamais vu là où tu pries ensemble avec lui. Mais à mon âme, parce que ça va être bon avec les classes. Il voit quand même là où tu lui donnes l'argent pour aller manger. Quand est-ce que tu payes le minimum? Quand est-ce que tu lui payes le pantalon? C'est bien. Et ça, madame. Les moyens aussi les font. Papa, donne le paiement à ça. Mais il y a pour ça. Mais apprends à ton fils les chemins de Dieu. L'héritage donné au peuple d'Israël. Le plus grand héritage que tu peux léguer à tes enfants. C'est la divinité de Dieu. Et ça arrive aux âmes à Jésus-Christ. Et tu prends Dieu, tu l'installes dans ta vie. Et télévision à 42 pouces. Et c'est plus que la télévision de 52 pouces. Et qui se dit par Milan-Bani au costume. Et c'est plus que l'événement précieux que tu peux l'installer. Tu prends ton Dieu et l'établis dans ta vie. Il faut souhaiter que les banques à la. Il faut souhaiter que si tu as des filles, la vierge. Ils puissent grandir vierge. Et c'est ça la parole de Dieu. Surtout nos filles qui sont nées dans le Seigneur. Vierge. Qu'elles puissent grandir vierge. La chasse. Et que les hommes, les garçons aussi, souhaitent en haut. Les parents doivent les souhaiter. Ça. Et le Seigneur agira. Il faut toujours dire des bonnes choses à tes enfants. Job avait coutume. Ceux qui parlent bien la fête en d'un à. Si ses enfants se rendent au festin d'un de leurs, service d'un parent. Lui faisait le service d'un parent. Responsable. Un parent responsable. Offrir l'holocauste sacrifice pour la bambou. Azala qui commence à faire ça pour la bambou. Et je ne sais pas, si mes enfants ont péché là où ils s'étaient, c'est pourquoi j'offre en fait que Dieu ait pitié. Mais on peut servir sur l'exemple d'un bon parent. On nous montre l'exemple d'un bon parent. Il faut avoir l'habitude aux soeurs, aux frères. Il faut avoir l'habitude si tu es frère ou soeur. Moi, je suis à ta Azana. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ayoka Kalobaka, Zamba. Même si tu as un enfant qui est petit, mais qui entend quand même du bien que Dieu te bénisse. Ayoka Kake, sois prospère dans la vie. Et qui entend quand même du bien que Kendal Bosomwana. Ayoka Kako, je me sens mal au bain, bien des colonnes. Qui t'entend de prononcer les bonnes paroles sur lui. Et ça, il les amis vont tout y accoler. Mes enfants vont prospérer. Manana, il faut qu'il y ait des bossons. Ok, des bossons, ça va se faire des biens pour la prospérer, que Dieu vous fasse. Bon, bon, et tout le monde. Et la classe. Et chaque matin à l'école. Ok, des bossons, on va aller à Congolais, ce que vous avez fait à Congolais. Allez, vous êtes bénis, vous retournerez dans le nom de Jésus. Aïe, au cacao, l'obé là. Qui t'entend de leur dire toutes ces paroles. Mais ça, l'ingé, vous allez couiller pour sa part. C'est la manière dont tu apprends à tes enfants. À venir. Dans le but de que leur avenir soit meilleur. Oui, puisque qui moi n'a piqué malam ou t'es au polinaï. Vous savez si l'enfant ne grandit pas, n'est pas bien élevé. Biblié est la caillé malade. Yamikoua, yamatatana, yamakotine. Vous en avez marre. Vous suivez attentivement. Oui, mais pas samedi, nous n'y ça. Vous connaissez comment la tarie dentaire. Donc, c'est textuellement moi, non, Olivier. C'est textuellement un enfant pour les parents. Pour ses propres parents. Mais il le dit qu'il instruit l'enfant tant à Zana n'a pas âge. Il t'a dit ça, moi, l'Anzela, tant à Zana n'a pas âge. Il a pas la possibilité. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, tu as un enfant chez toi. Mais nous sommes venus à jupe collante. Mais tu as 5 ans. Jupe collante. Une fille à 5 ans. Une fille de 5 ans. Fillette. Une fillette. Mais maman, au Kézando, jupe collante. Et tu achètes une jupe collante. Vous espérez. Qu'est-ce que tu espères dans la vierge. Qu'elle puisse se marier vierge dans l'avenir. Il a pour ça, pour nous, quand ça va venir à la vierge. Tu penses qu'à l'avenir, elle va se marier vierge, c'est ça?
C'est toi qui lui ouvre la porte de la souffrance. C'est toi qui la détruis. Parfois, la tenue que tu lui achètes. Il faut veiller ma casse. Et Seigneur, le sait, j'ai la peine. Yéba que l'ennemi, Oumbanaïe, sache que le grand combat de l'ennemi, ce sont les problèmes des foyers. Et ça dit, ma terre, ma destruction à temps où il y a Noé. La destruction du temps de Noé. C'était le problème des foyers. Et ça dit, ma caroua, ma balle, ma pota. Il y a moins de poussé que la destruction, l'immoralité. C'est ça qui avait poussé la destruction. Même au temps de l'autre. Même au temps qu'on a l'autre. L'immoralité, ça veut dire que ma caroua. Et ça dit, ma caroua, ma caroua. Les hommes se mariaient entre eux et les femmes entre elles. C'est pourquoi lorsque les deux hommes étaient venus dans sa maison, les hommes de la ville avaient demandé à l'homme de faire sortir ces hommes afin qu'ils puissent les connaître au sein de la maman d'autre. C'est ça. C'est ça les combats. Donc si ta maison est en malhonnête, si ta maison n'est pas en bon état, maison n'a pas besoin de malhonnête, et que ma maison n'est pas en bon état, et que la maison de notre frère non vit à malhonnête, la maison terre, il n'a pas eu de vie dans les maisons de ça. Mais pour s'engager dans la maison, maintenant nous nous rassemblons dans nos maisons dans nos cultes. Quelle froideur dans le culte dans cette église. Quelle froideur s'installe là. C'est ça le problème à terre. Il y a un de moi à ça. D'abord, il faut qu'on repousse ma casse. C'est pourquoi il faut farouchement le repousser. Et l'opposant va saigner. C'est que le Seigneur demande. Ça est là. Il faut le pratiquer. Qui est plus sage que nous. Zambé à l'équipe sur la moyenne. Pour qu'il zambé, pour qu'on se désire dans Zambé. Nous ne pouvons pas nous mesurer avec lui. Parce que nous sommes dans le monde depuis des milliards. Tous les cerveaux qui sont dans ce monde, raisonnement, nous sommes dans ce monde ensemble. Dieu connaît tous les raisonnements qui sont dans ce cerveau. Nous tous, sans exception. Attends, on terre, tu vas voir ça dans le monde, nous devons gérer ma cerveau. Aucun ordinateur ne peut gérer le cerveau de tous les habitants. Dieu connaît tout le monde. Parce qu'il s'en vient à l'église maintenant. Il va projeter. Il connaît le projet des hommes. Il ne s'arrête pas seulement aux hommes, même aux animaux. Mais il s'occupe aussi des poissons de la mer. Même au dîme d'avant. Même envoyer le vent du nord à l'est, c'est lui Jésus. À sa plus sage. À sa ligne à quoi il y a un soir. S'il te dit une chose, traverse-moi. Parce qu'il connaît l'avenir. Il ne faut pas douter de lui. Si tu entends parler, humilie-toi. Si tu interdis la publicité, et que tu refuses dans la dureté, humilie-toi, ne le résiste pas. C'est lui qui connaît les choses que tu es. Et là, on y est sur ce cahier de Dieu. Si tu dis toutes choses par le droit, si tu ne suis pas ceci, n'hésite pas à adorer. Adore. Parce que les gens ont toujours approché le meilleur. Oui, tu ne sais pas, ça dit à moi, moi qui te connais. Et non, de malheur. Parce qu'il y a ma vie qui est de connaissance. Il y a toujours des choses qui pourront nous aider. Donc, on se distrait. Ne te distrais pas. Ça va vraiment mon tour pour le royaume des cieux. Sois vraiment celui qui vient à l'église pour le royaume. Ça va mon tour pour au monde. Vie n'a eu changé. Sois celui qui vient pour le changement de ta vie. Ça va mon tour au monde. Sois celui qui vient pour vivre la vie de Dieu. Ma conscience est à la pure. Et je vois la pureté de ma conscience. Parce que les grands commets à ma conscience. Et ma casse est à l'impure. Que mon intérieur soit pur. Et je puisse avoir de bonnes pensées. Que ce qui est mauvais puisse sortir. C'est ce qu'il faut chercher. La bonne Seigneur Koluka. Il faut ma grâce nous a passé. Il faut que les grâces que le Seigneur a demandé à l'enfant de Dieu de vivre. Souhaitez au moins dans ta vie. Souhaite le voir aussi dans ta vie. Et Dieu te bénisse. Sans bien pardon. Et que la grâce du Seigneur est à l'écoulement et que la grâce du Seigneur soit vraiment sur vous. Sans bien fortifier, on a de la réunion sur le livre de Pamora. Que le Seigneur te fortifie sur vous, c'est cher. Afin que la grâce est bon baillot jusqu'à son avènement. Afin que la grâce de Dieu te préserve jusqu'à son apparition. Nous autant les commis, les lots. Nous allons lire l'écriture d'aujourd'hui. Lévitique 14. Nous prenons Lévitique 14.
autant à partir vers verset, autant lire le verset 33e. En lisant d'abord le verset 33. 33, 34, après donc on est dans 48. Le verset 33 est à 34, après nous irons verset 48. Vous allez dans Lévitique 14. Lévitique 14. Dans verset 48, dans 53, et puis 33, 34. Amen. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: Yahweh a l'obé à qui Mose n'a pas l'on a perdu ici. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez, ce qui n'a tient pas tard, Yamaba, Nicolas, et d'un coup, mon corps, n'a pas encore eu pour soi. N'a sauté directement verset 48. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison, ce qui m'a dans un bébé, à ce qui n'a pas encore. Voit que la plaie ne s'est pas étendue. Après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure. Car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison des oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'isope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les tremplera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive. Et il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec les bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation. Et elle sera pure. Ensuite, dans verset 53, que Dieu bénisse les tirs. Je m'arrête au verset 53, ça ne vient pas pour la guitare. Notre souci, les amis, pour veiller aussi comme l'apôtre avait prêché la parole. Notre souci est de veiller comme les apôtres avaient prêché la parole. Nous l'aimons, nous sommes amis pour le bawa. La manière dont nous disons toutes les choses ici. C'est qu'à tout moment, lors de la prédication, ils entraient dans le champ d'autrui. Et pour soi, j'ai des exemples. Et on avait pris des exemples. Dans où Pierre a voté à la Pentecôte, dans Acte 2. Lorsque Pierre prêchait dans les Actes 2 aujourd'hui à Pentecôte, il était entré dans le champ de Joël. Pour expliquer la manifestation du Saint-Esprit. Pour expliquer la manifestation du Saint-Esprit. Il était entré aussi dans le champ de David. En prenant même la conférence de Jérusalem. Dans Acte 15. Lorsque Pierre avait pris la parole. À l'Obi. Il a parlé. Maintenant, à partir du verset 13. Jacques, maintenant, a pris la parole. Jacques aussi a pris la parole. À l'Obi, Amen. À Pierre, à l'autre côté. Il a dit Amen à la parole que Pierre venait de prêcher. Il n'avait pas soutenu Pierre, l'homme, mais l'écriture. Alors, ici, là, ça accorde avec les paroles des prophètes. Ce que Pierre a dit, ce que Pierre vient de dire, nous accorde avec les paroles des prophètes. Ça accorde avec les paroles des prophètes. Après, Jacques a eu la parole des prophètes. Après, Jacques a pris les paroles des prophètes. Nous l'aimons aussi ce que t'as dit Paul, la façon dont a enseigné. Et la même manière, lorsque nous observons Paul, la façon dont il a enseigné. Dans la zone exposée sur le Messie. Lorsqu'il est exposé sur le Messie. Sur le royaume de Dieu. Qu'on a beaucoup entendu. Dans l'acte 28. En lisant acte 28. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Alors, il va fixer un
jour pour aussi Paul. On a dit fixe ça un jour pour écouter Paul. Maintenant, Christ Jésus. Quand Paul commence à parler de ce qui concerne le Christ, il dit commençant à la loi de Moïse, l'a cherché par la loi de Moïse, par les prophètes, et par les prophètes, il a persuadé Baruch pour n'était pas comprendre ce qui concerne les Christ. Il cherchait à les convaincre en fait qu'ils comprennent tout ce qui concerne les Christ. C'est la façon dont Baruch enseigna la parole. C'est la façon dont les apôtres ont enseigné la parole. Dans 8 verset 23, il y en a 28. Je prends le verset 23 d'abord. Il lui fixèrent un jour. Attira qui est mon colombe. Et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Et Maïké l'a dit beaucoup taille dans la boule. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Mais Paul a savouré la qui m'a beaucoup dit. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. Et à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. Donc, Paul Azara qui a suivi le livre de Lévitique. Paul était là, il prend le livre de Lévitique. Et il montrait Jésus dans sa vie. Il prend Genèse. Il prend Genèse. Ensuite, non. Il prend non. Lévitique. Il prend Lévitique. Il voyait Jésus dans tous ses livres. Et même dans Acte 26 aussi. Et même dans Acte 26. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Alors ça, la même mention. Il fait la même mention en disant ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Maintenant, le verset 23, merci, c'est le livre. Le verset 23 dit ceci. Savoir que le Christ est souffrait. Christ va connu quoi. Donc, à mon avis, à livre, oui, oui. Donc, Paul l'avait vu dans le livre de Moïse. Un prophète. Il l'a vu aussi dans le livre de souffrance. Et il exposait devant les gens. Et ressuscité des morts. Alors il dit savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité les premiers dans ses morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc Paul a dit Paul était là, il prend ce livre. Ma livre à Moïse. Le livre de Moïse. Ma livre à Juge. Le livre à Juge. Ensuite, ma livre à Samuel. Il prend le livre de Samuel. Alors, Christ a souffert. Il voyait les souffrances de Christ. Et dans ma livre, il y a moi. Et lorsqu'il faisait la marche dans tout ce monde, il a dit Jésus-Christ a causé les premiers points à la ressuscité. Il voyait Jésus-Christ qui sera le premier à être ressuscité d'entre nous. Il le voyait dans Lévitique. Il le voyait dans Exode. Il le voyait dans Deutéronome. Et le Christ serait ressuscité le premier d'entre nous. Et cela représente le premier qui a vaincu la mort. C'est Christ Jésus. C'est l'ami Christ Jésus. Et à mon avis aussi, quand on parle d'écriture en Lévitique, et en lisant aussi les écritures sur Lévitique, Deutéronome, à mon avis, Christ est dans quoi on sait quoi. Il a vu que le Christ est après la résurrection. Et quand on a pour la montée, il sera le seul à être le serviteur le pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Et pour la nation. Et pour les nations. Paul a montré qu'il montait, il montait après les étoiles. Paul n'avait pas vu un autre enseignant après la résurrection. Jésus-Christ est mort. Il n'avait vu qu'un seul enseignant qui n'est que Jésus-Christ. Il y a un mot dans Acte 26. Et c'est ce qu'il a dit dans Acte 26. Il a dit le mot dans cette parole qu'il a dit. Alobi a zo se carté dans ma tambo Moïse à l'ouba. Il a dit sans écarté en rien de ce que Moïse a dit. C'est la bénédiction qui est dans la tête à Moïse. C'est la bénédiction que nous rendons à Moïse. Donc comment on a
Christ a souffert. Nous verrons Christ les souffrances de Christ. Donc, comment Christ a séduit les premiers d'entre les morts, mais tout en ayant à mourir. Et nous verrons Christ ressusciter les premiers d'entre les morts, mais en lisant Moïse. Parce que Paul a dit. Parce que Paul a parlé. Donc, autant dans le livre, il y a Moïse, il y a Lévitique, Exode. Nous lirons les cinq livres de Moïse. Donc, on remarque que. Et nous avons remarqué. Le Seigneur fouillait. Il faut que le Seigneur soit le seul enseignant pour le peuple d'Israël de nous après la résurrection. C'est ce que Paul a dit dans Acte 26. Et c'est ce que Paul a dit dans Acte 26. Il faut que Paul a dit encore. Tu vas savoir que Paul avait encore dit. Ah oui, ce que tu as entendu de moi. Oyo yo qui est pas une âme. Oyo mon idée. Ce que tu as vu en Dieu. Oyo Nazareth Kosala, et ce que j'ai pratiqué, il a dit dans Philippiens 4, verset 9. A et puis il signe à la fin. Vous savez à qui il y a Kosala d'ailleurs. Donc si tu suis l'enseignement du Lord, le Dieu de paix sera avec toi. Il vient dans Galate 1. L'évangile des évêques. Ce n'est pas qu'il y ait plusieurs évangiles. L'évangile des sacrements. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais les bateaux, parce qu'ils vont troubler, dit non. Mais il y a beaucoup de gens qui vous troublent. Alors, même si un ange a dit. Attends-moi, je vais à Makoloaï. Annoncer l'évangile autre que l'on a annoncé. À Sakoli, nous sous son taïn à Théaka. Qui soit en terre. Même moi-même, si je vais changer. Même moi-même, si je vais changer mon évangile. Non. Il croyait à l'évangile qu'il a reçu. Ce n'est pas de l'homme. Et c'est où t'as la moutonne. Cet évangile provient de Dieu lui-même. Il faut que vous respectez la moutonne. Tu dois savoir respecter toutes ces bases. Sauf qui osent respecter ma pauvre tête. Si tu ne respectes pas l'enseignement des apôtres, sache que tu n'as pas non plus le salut éternel. Il faut que Jésus puisse avoir dit dans Jean 17. Tu vas savoir que Jésus avait dit dans Jean 17. J'ai pris non seulement pour deux. Dans ce sens, il a attaqué pour la maïkoli. Pour ceux qui me croiront. Si vous n'avez pas continué la tandaï. À travers de leurs paroles. N'antena maloma maïkoli. Donc, intercession à Jésus. Donc, la prière de Jésus. Pour un bateau, basol, imagésie, n'antena maloma maïkoli. C'est en faveur de ceux qui croient en Jésus par la parole des apôtres. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Jean 17. Il y a un matériel à votre présence solide et fondé. C'est pourquoi l'enseignement des apôtres a mis beaucoup à entasser. Parce que pourquoi il y a des à repousser le matériel. Et personne ne peut venir renverser cet enseignement. Et donc, on y en se trouve, on s'en est tout aussi basé. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous baser sur cet enseignement. Il y a un monde pour le vie éternelle. C'est alors nous confirmerons avoir la vie éternelle. Et c'est pourquoi bien aimé, dans l'enseignement que nous avons sur l'Église, dans l'enseignement que nous dispensons sur l'Église, nous voulons d'abord comprendre comment Dieu avait classé les choses. Aujourd'hui, nous veillons sur une chose. Et ça, c'est la maison où ils allaient qui frappaient la plaie. Il y a les principes. Nakoyo et Betamaki na poter mama. Purification est un mot et nous soit cette aspersion à sang, cette table. La purification de cette maison se fait avec cette aspersion de sang. Et donc, on a fait un peu de choses à la il va faire présentation avec cela. Nous autres, ça d'abord. Nous montrons d'abord. Tant que papa dans un voyage dans le désert. Lorsqu'ils étaient dans le voyage dans le désert. Ça déjà ici, papa, tant que vous êtes en boc. Le Seigneur là a déjà dit lorsque vous serez entré dans le pays. Sauf qu'il n'est n'a frappé la maison à l'aide. Si moi, l'Éternel, je frappe la maison de la lèpre. D'abord, le numéro de la lèpre. D'abord, je voudrais parler de la lèpre. Pourquoi le Seigneur a utilisé les combats lèpre? Pourquoi le Seigneur utilisait la lèpre? Il faut que la lèpre. Tu vas savoir que la lèpre. Ezali malade mon corps et détruit sa membre et corps. C'est une maladie qui détruit le membre du corps. Donc, et rend la candotte insensible. Cela rend insensible le membre du corps. Donc, ce qui met la lèpre est suit à si par exemple la lèpre t'atteint à la main. Les a détruits.
Cette partie-là est détruite. Même si tu cherches à toucher, tu ne sentiras rien. C'est pourquoi nous la comparons. Lorsque le péché atteint son corps, le consomme. Et que quelqu'un ne parvient pas à y sortir. Tu prêches qu'il quitte le péché, mais lui refuse. C'est-à-dire, ce péché-là devient la lèpre. Parce que lèpre est insensible. Donc la lèpre rend insensible les parties de membres. Lorsque tu vois quelqu'un devient sensible à l'enseignement, on les corrige. Mais la parole les a sur les fêtés du corona. Mais la parole n'a plus d'effet sur lui. Directement, ils ont assimilé la lèpre. La maladie a marqué le corona. Et comme il est membre insensible. Donc il devient un membre insensible du corps. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé le langage à lèpre. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé le langage de la lèpre. Mais ce qui attire nos pensées, c'est Dieu qui met la plaie. Et ça dit, t'as prié mon corps dans ce tiers. Ils ne sont pas encore arrivés dans le pays. Si je n'ai. Ce qui t'a inactivé. Par là, nous comprenons que la maison appelée Adam. Parce que l'homme aussi est une maison. Même en prenant Corinthiens 6, le verset 19. Le verset 19. Notre corps est un temple. Nous sommes de la mission des habités, puis là, on est ensemble. Même sur aujourd'hui, des Corinthiens 5. Mais en prenant des Corinthiens 5, le verset premier. Mais on va tout ça dans une temple. On nous parle de ce que nous sommes dans une temple. Le lien est repris dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Le même dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. L'église est présentée comme un édifice. L'église a les habités là comme on est, mais ensemble. Oui, comme là comme on est. Donc, un édifice. Donc, notre boyer, Zamba, Okanisakaïna. Donc un homme, le Seigneur le compare à une maison. Je vous avais montré que Dieu dans les Écritures a toujours de plusieurs manières. Il répond toujours la chose de plusieurs manières. Le chose qu'il fait dans la marche d'Israël. Il répond seulement la chute d'Adam. Comment est-ce qu'il va le chasser? Et comment est-ce qu'Adam retourne dans le jardin? C'est ça le mouvement où ils ont un livre de C'est pourquoi Hébreux 1 autrefois. Nakala, de plusieurs reprises, de plusieurs manières, pour reprendre, donc le Seigneur reprenait, en changeant de manière. Il peut parler par exemple de Nadan, mais il répond en forme de maison. Il répond encore en forme de ville, de plusieurs manières. C'est ça la Bible. Il y a moins de Biblia. Nous prenons par exemple. On peut remarquer que tu vas remarquer. Le Seigneur a présenté ta nation, oui, ta nation puissante. Le Seigneur représente de puissantes nations. Comme les serpents. Le pola. Serpent. Nyoka. Pourquoi ça va quand même? Pourquoi le Seigneur fait ça? Pour répéter ce qui s'est passé dans le jardin. Dans le jardin d'Eden, beaucoup de doctrines ont commis d'erreur. Le verset premier, il y a Genèse 3. Et le dit les serpents, les plus risés. Tous les animaux du champ. L'écriture ne dit pas ainsi. Pourquoi que ça suit la Bible? Parce que tu vas endommager la suite des Écritures. Les serpents étaient les plus. Cela veut dire les autres animaux. Et Mais tu vas voir que d'autres doctrines ont été rises. Nous avons été rises. Qui est
Spirit s'est embrouillé partout dans la philosophie, mais ils ne savent pas où le Seigneur va avec une chose. C'est pourquoi tu vas dans l'exemple que je prends, lorsqu'une puissante nation s'élève sur la terre, le Seigneur l'appelle comme un serpent. Même la nation qui va remplacer, c'est bon. Et toujours comme le serpent. Esaïe 14. Je prends par exemple Esaïe 14. Dans le nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Dans verset 28 et 29. Au verset 28 et 29. L'année de la mort du roi Akaz. Voilà, il y a mon bout, il y a le roi, il y a tout le roi Akaz. Dans le nom de la ligne, interprétation de la place, il y a. Je vais expliquer pourquoi l'interprète emploie vouloir la place de la nuit ou de la pluie. Ma terre a pu la dame partout. Nos prédications se suivent partout. Donc, il y a milliers de sources. Il y a d'autres endroits. Selon leur langue maternelle, tu ne peux pas dire moula. Donc, aussi, ma braza, on prend braza vivre. Et tout ça pour pas couper mal. Comme nous sommes là, eux aussi nous suivent. Vous avez maman? Nous suivons attentivement. Ah, donc, et ça, il n'y a pas pour ma casse. C'est vraiment une chose honteuse. Donc, de préférence pour le papa, voilà. De préférence que nous disions voilà. Bien au bout. Ou bien au bout. Parce que dans les bonnes, nous suivons aussi par la tête. Parce que nos frères qui sont de l'eau nous suivent aussi. Oui, les pieds par l'eau. Ne te réjouis pas, verset 29, ne te réjouis pas, pays des Philistins. Vous savez la terre monte à la Philistine. De ce que la verge qui te frappait est brisée. Alors l'église de l'ingénieur des Arabes au bête à Yomaki. Car de la racine du serpent. Mais tu as aussi ça, Yoka. Son terrain est basilique. Comme il m'a dit, Yoka, mon souci est basilique. Et son fruit sera étranger. Et vous m'avez dit, vous allez à la bonne à côté de moi. Zoman. Alors, ici on s'adresse au pays des Philistins. Parce que par Philistin, parce que les Philistins se réjouissaient de la chute d'Assyrie. C'est en ces temps-là que la Syrie était la puissante nation. Lorsque la Syrie dominait la terre, le Seigneur l'appelle serpent. Nyoka. Lorsque le Seigneur l'appelle, oui, serpent. Cela veut dire qu'il a fait chuter le serpent. Mais le Seigneur a dit aux Philistins. Vous remarquez que le serpent basilique vient dans Jérémie 8, verset 17. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Car j'envoie parmi vous des serpents. Oui, tu as sorti la catigate, la mienne, la mienne. Des basiliques. Contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront directement. Basiliques, les serpents basiliques, c'était les Nebuchadnezzar de son âme. Les serpents. Et c'est eux que le Seigneur a appelé serpents. Parce qu'aussi, Assyrie, Azalaki est élevé. Lorsque la Syrie était élevée, Dieu l'appelle serpent. Ça veut dire que la Bengaki est mieux. Le Lévi, mon Nebuchadnezzar, on a un roi. Il y a Babylone. De la même manière, il a appelé Nebuchadnezzar. Dans Jérémie 46. Dans Jérémie 46. Dans verset 21. Au verset 21. Il dit ceci. Verset 22. Vas-y, verset 22. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Si on continue le texte, on parle de l'Ukanissa. En continuant le texte, tu verras qu'on parle de l'Ukanissa. L'Ukanissa était tout un serpent. L'Ukanissa, ça a dit Nyoka Mouima. Donc, puissante nation sur la terre. Et qu'on lui a mouillé, ils ont compté ma mère. Le Seigneur a mon accord international, diable. Le Seigneur voit dans cette nation l'incarnation du diable, Satan. Maintenant, l'adversité, il y a serpent dans le jardin de l'État, ils allaient dire contre la femme. Maintenant, il y a des Zalaki à côté de la maison. Maintenant, la femme, en ce temps où Babylone ou la Syrie existait, et donc cette femme devient Israël.
Vous suivez attentivement. Parce que par de plusieurs manières. C'est pourquoi tu vas Nebuchadnezzar est humilié Jérusalem. Lorsque Nebuchadnezzar est venu humilier Jérusalem. L'écriture les hommes dans Lamentation 1, verset 8. L'écriture dit ceci dans Lamentation 1, verset 8. 10 verset 9. Jusqu'au verset 9. Alors dit Jérusalem a multiplié ses péchés. Jérusalem a foulé qui s'y m'a soumis. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tout ce qui l'honorait la méprise. En voyant sa nudité. Quand le serpent s'attaquait à elle. Lorsque le serpent s'est attaqué à elle. Qui est Babylone? Le serpent qui est Babylone. Jérusalem est resté nu. Jérusalem a dit à l'époque. Seulement, comme cela dit. C'est tout un enseignement qui vient en train de répéter. Les amis, le terme, il m'appelle Pamela. Maintenant, il appelle Nebuchadnezzar tout un serpent. Appelle Nebuchadnezzar. Vous voyez pour attaquer Israël, Jérusalem. Qui vient attaquer Israël, Jérusalem. Maintenant, voilà ce qui est. Maintenant, comme il l'avait séduit. Lamentation est venue en voie la nuit. Lamentation l'a appelé la nudité d'Israël. Fait que répéter, j'avais de c'est Dieu l'a fait que répéter les jardins. C'est ce que je vous dis que répéter, ça a des plusieurs manières, des plusieurs réplis. Il y a mon ami, si vous avez abandonné la canapalonne, Dieu ne peut pas aider. Nous avons à propos de l'année jardin d'Eden. Dieu peut prendre par exemple le jardin d'Eden. À commission comme tout un peuple Israël. Et le fait tout un peuple Israël. Je vous ai dit Ézéchiel 30. En lisant le prophète Ézéchiel au chapitre 3, pour vous saisir. Nous disons toutes ces choses en fait. On comprend le langage que nous sommes tous. Et tu comprends tous les langages que nous prenons. Aujourd'hui, Ézéchiel. Nous prenons Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Ézéchiel 32. Ézéchiel chapitre 32. L'écriture, je vais vous souvenir. L'écriture nous dit ceci. Ces choses, elles sont très très importantes. Dans le livre d'Ézéchiel 31. Je prends Ézéchiel 30. Verset 16. Le verset 16. Par les bruits de sa chute. Le Seigneur parlait de la chute d'Assyrie. Assyrie l'a dominé qui avant Babylone. C'est la Syrie qui avait dominé avant Babylone. J'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans les séjours des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse, tous les arbres de terre ont été consolés dans ces profondeurs de la terre. Donc, tant à Syria, lorsque la Syrie tombe, tous les jardins, les arbres du jardin de l'Est, il a posé tous les arbres. C'est ça l'écriture. Mais si vous voyez dans le monde, vous voyez dans le monde, tous les arbres du jardin, la connaissance du bien, du mal et de vie, et tous les arbres se réjouissent de la chute. Parce que la Syrie était comme un serpent. Parce que la Syrie était comme un serpent. Dieu a zogué la camarade de plusieurs manières. Le Seigneur répond les choses de plusieurs manières. Ça, c'est tout un enseignement. Et ça dit la question du mal. Aujourd'hui, texte pour être utilisé. Mais nous prenons les textes que nous avons utilisés. Quand nous avons un exemple, nous dit qu'à vous frapper la maison dans les pays. Lorsque nous voyons le Seigneur dire qu'il va frapper la maison dans le pays, vous voyez dit très bien. Nous savons très bien. C'est Dieu qui blesse. Les amis, ça peut dire à Zopisa. C'est Dieu aussi qui bat. Ça peut dire à Kamakota. Si l'ennemi a été possédé, elle. Si l'ennemi était venu séduire la femme. C'est parce que Dieu connaissait ses programmes. Ça dit quoi être sa part et qui va moi mon aïe. Vous voyez, lorsque le Seigneur avait dit à Adam, à elle, avec elle, à lui multiplier, bon fou, le tabou comme il est. Il dit multiplier, bon comme il est, bon fou, le tabou. Il faut qu'elle dans Jean 12, verset 24. Tu vas te rendre dans Jean 12, verset 24. À lui, un grain, mouvement comme il est. Ce que vous voyez, s'il tombe sur la terre, ce que vous voyez, s'il ne meurt, il restera seul. Multiplier, beaucoup m'a béni. C'est la bénédiction qui s'est
Parce que si les gens ne prennent pas l'initiative, ils ne peuvent non plus produire plusieurs pommes. Lorsqu'il leur disait de se multiplier, bonsoir, cela veut dire devant d'abord, oui. Vous allez tomber. Hey, vous savez, cela s'accomplira. Parce qu'il y a un cultivateur. Il faut que les gens passent par là-bas. C'est pourquoi dans Jean 12, Jésus était en Israël. Mais il a entendu parler que les Grecs venaient le chercher. C'est nous les nations. Avant qu'on m'a pas la nation, avant qu'il a dit, tu vois, couvre ma main. C'est alors qu'il va accueillir les Grecs. C'est Dieu lui-même qui avait préparé de frapper la maison de la plaie de la lèpre. Isaïe, c'est lui-même Dieu. Mais a-t-il aussi procédé le léguer maladie et colombe? Il a été appelé aussi à procéder comment on va expier la lèpre de la maison. Mais l'homme est aussi ma place. Mais ce que nous devons plus retenir, c'est que pour la purification de la maison, pour la couper tout la main d'accord, Isaïe a besoin de la sève. Donc cela a besoin du sèvre. Et ça a besoin de cramoisi. Du fil de cramoisi. Et ça a besoin d'isope. Du bois d'isope. Et ça a besoin de l'eau vive. Et de l'eau vive. Maïe et ça a bon. De l'eau vive. Et ça a besoin de deux pigeons. Et la purification aussi besoin de deux oiseaux. Donc deux oiseaux. Maldéterni maïe. Mon corps, il faut pas bon maïe. L'un des oiseaux doit être égorgé. Un mouchou. Mais l'autre oiseau ne mourra pas. Sous moi, l'autre oiseau là, la bonne aux hommes qui l'a, c'est l'oiseau qui va prendre le sang. Il y a où il y a des bosses. De l'oiseau de Dieu. Et finalement, il y a bon. Et recueille aussi le vivre. Et qu'on va prendre le temps pour la main, il y a bon, on va changer aussi. Et va commencer à marcher avec cela dans tout le champ. On va changer, on va reconnaître. Et tout le champ reconnaîtront. Il y avait la mort d'un oiseau. Et ça va être la lion des démons. Maintenant, il y a le temps pour la main. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 40, à partir du verset 40, à Zoloba, il y a des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes. Il faut y avoir, tu dois savoir ceci. Oiseau, c'est un corps céleste. Mais qui a sali, tu es l'écolo. Dieu bénisse. Amen. Donc, les deux oiseaux là, la météo animale, Paul partage la texte. Paul a venu aussi ce texte de Lévitique. Il y a un moment, on a dit oiseau couffa. C'est pourquoi il a venu l'oiseau qui mourait. Christ souffle. Christ a cause, mieux quoi maintenant. Maintenant, à mon oiseau, il avait un autre oiseau. Mais il avait résisté. Il a Christ a cause, quoi que ça va couffer. À mon oiseau, il a dit, on a un temps pour la ménage. Il a jamais lâché cet oiseau pour parcourir le champ. Il a non serré. À cause, ça pour la carte. Il lisait, voyez la mort du Christ. La résurrection de notre mort. Il sait quoi que ça va. Et la prédication. Il lisait dans les livres de Moïse. Et il y a beaucoup de et c'est ce que nous voyons ici. Mais purification à la maison.
On utilise le bois des cèdres. Tant que nous sommes 1 Roi chapitre 4. Lorsque nous prenons 1 Roi chapitre 4. Dans verset 33, au verset 33, vous pouvez remarquer que Salomon, vous avez remarqué que le roi Salomon, qui était le signe de la sagesse, il a parlé aussi au sujet des arbres. Mais il a d'abord commencé par l'arbre appelé le cèdre. L'arbre du bosseau est arrombé. Le premier arbre dont il a parlé, c'était le cèdre. Parce que cèdre est un sacré roi. Oui, c'était un cèdre. Mais il a fini par l'hysope. N'oubliez pas que le sang maquilla dans le bassin. Maintenant, lorsque l'ange exterminateur va passer, il ne va pas regarder les sangs dans le bassin. Il va regarder les sangs sur les linteaux. Maintenant, il y a avec tout ceci. Au verset 22, Exode 12. Au verset 22, Exode 12. Et c'est ce qui va le rôle de prendre les sangs dans les bassins et les mettre sur le dos. Même ici, l'animal meurt. S'il n'y a pas une sorte, tu ne seras pas sauvé. Parce que l'ange regardera dans l'entour. Pourquoi chez nous, à Koumaka, au temps d'année, il n'y a pas de Christ est mort. Christ a confié. Les gens ont l'air par doctrine. Ils ont confié. Toutes les doctrines et les confessions disent que Jésus est mort. On doit salir. Mais pour obtenir le salut, il faut l'enseigner. Vous savez, les sacrifices étaient faits en Égypte. Les sacrifices étaient faits en Égypte. Mais pas tout le monde va condamner. Mais ce n'était pas tout le monde. Dans la terre promise, pourquoi enseigner? Nicolas, il l'a ici. Célébrer pas. Ils ont célébré la Pâque. Mais enseignement de la 14e enseignement. Mais parce qu'ils n'avaient pas respecté l'enseignement, Dieu les extermine. C'était seulement quand Jésus-Christ a envoyé Lazare. C'était seulement quand Jésus a dit Lazare, il était sorti. Et il est encore parti. Lazare, il a mignonné le matin. Mais c'est pareil qu'il a utilisé par exemple. Il devait utiliser les exemples de ses disciples. Pour nous marcher. Donc pour marcher, il faut les exemples. Et c'était lié par le pic des exemples. Les plus petits. Dans les serviteurs. Il y a un moment on va tourner sur la Zamba. Quiconque est compris dans le Seigneur sera sauvé. Oh Dieu, ça compte la tour de Zamba à combien caca. On te laisse sur le verset, on a pour ça dans mon église. Le monde prend ce verset là pour ériger son église. Donc on est les gars, Zambo, on dit le Seigneur tu seras sauvé. Ok, tu es à la vie par les hommes. Il faut t'attendre au nez qu'il y a un mot et l'oublie. Tu vas lire l'écriture telle qu'elle est. Parce que c'est pourtant qu'il doit comprendre qu'on sera sauvé en les actes de l'église. Parce que c'est en lisant que tu comprendras comment est-ce que tu seras sauvé. Je vous dis, dans un peu comme ça. Tout celui qui évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Paul a continué pour détailler l'écriture. Paul continue à donner des détails sur cette écriture. A zo bango malembe malembe. Il est dit petit à petit. Allons libre. Il dit ceci. Verset Abandi Wanana, dans une même à partir, il y a verset 14. Abandi na 13, il y a Romains 10. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Montre-nous sur combien de la capoue en Zambé à Bobi Kaka. Bato à partir de l'écriture au bassin de l'église. Les gens prient cette écriture pour former des amours, par exemple, pour Bobi. Invoque le nom de Dieu, tu seras sauvé. Mais Bato explique l'écriture à mon assez. Mais on explique cette écriture. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Bon, verset 13. Bon, Paul explique seulement le verset 13. Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? On explique seulement quiconque évoquera le nom du Seigneur. Et comment en attendront-ils? S'il n'y a personne prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Quiconque ne sera sauvé. Et là, il y a envoyé.
Je prends un petit exemple. Il faut qu'on puisse inaugurer le pont. Alors, dit gouverneur, là, pour inaugurer le pont. C'est le gouverneur qui va le faire. Maintenant, ça va pas seulement les ciseaux qui ont pris le vivant. Et si les aimants, c'est fini. Alors, gouverneur a oublié. Maintenant, le gouverneur a traîné. Maintenant, nous sommes là tous ensemble. Dieu a mis courage. Donc, toi, le courage, c'est ça. Et comme nous avons
Nous allons lever à tout moment parce qu'il est le Dieu. Nous le témoignons parce qu'il est le Dieu de toute la patrie. Yo les amé à Pomo, yo les amé à Pomo.
là où elle a mis la main. Au consacre la montagne sans arrêt pour sa maillot. Tu m'as prié en montrant Seigneur tes besoins. Et puis ça y est, que la mon appel m'a pas mon amère, bon tout ton voyage, faut que maman avantage. Les choses aussi sur la terre aussi sont grives. Au cas où qu'il n'y ait ce nom. Que toutes ces chères puissent se dégager. J'en vais à tel et ma fond, voilà, mais ça va dans ma tombe. Et le Seigneur s'élève, ne l'est pas mis seul, les œuvres. J'en vais à ça, la grâce, pour la recouvre, la compagnie. Et dans le bac qui sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous lui demandons. Et ça va la chair ou dans la vie. Nous lui disons de nous ouvrir. Au Saint-Élisabé la Banza. Prions le Dieu de Dieu. Aux amis et l'eau sur le rocher. Tu es une véritable victoire, Seigneur. Pour ma vie, à ma soeur et à mon frère. Seigneur, préserve la vie de mien. La bombe et la crainte, Maïsa. Dans la vie et la crainte de ton nom. Fongo la petite, elle est présente. Seigneur, ouvre aussi sa vie présente, pas lui. La mort, la paix, bombe, il est fort. Il ne peut soucier pas sa vie, c'est pas lui. La mort, la paix, sa mère a réussi. Il croit aussi la réussite. La vie présente aussi. Seigneur, mes amis, vous croyez. Seigneur, je crois. Oui, aux amis malades, nous avons besoin de la montée malade pour citer. Si tu es malade, tu vois ton cœur, ne doute pas. À ta problème, ni. Même n'importe quel problème. Pour sembler la grandeur de la parole de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ, non pas seulement. Et ça, la sida. Que ce soit du sida. Et ça, la mine. Que ce soit n'importe quelle maladie. Nous avons pas pu la grandeur de tout. Le Seigneur refuse d'interdire le doute. Dis-moi que Zambé a tout ça. Crois que le Seigneur agit dans ta vie. Il est capable de ça. Il est capable d'agir. Dieu grand et comparable, Jésus. Zambé, mon ennemi, au coca, il est le côté. Aux gens, Zambé, dans les si. Tu es le Dieu de la résurrection. Où y a qui Zambé, dans le bon monde, il pond au cambo, la pisse. Tu es venu avec la vie pour nous délivrer. Mais pour comment on s'en va à Golgotha? Mais pour parvenir à l'œuvre de Golgotha, on t'a dit ça qui prêt. Tu avais manifesté le prêt. Il y avait un miracle dans les autres. Le miracle, Seigneur. Au sécurisme. Tu as ressuscité les hommes. Au fond de l'Église. Tu as ouvert les yeux. Au guéri la main sèche. Tu as guéri de la main sèche. Au pic ici l'homme profond. Tu as guéri l'homme rempli d'eau dans les corps. Au longoli, au Yazarakina, il y a un coup qui n'a si mal. Tu as guéri le boss. Le bossu. Olomboli, Zambé, la Pidano, ma lèpre. Seigneur, tu as ôté la lèpre. Pour la montagne, c'est que Golié pour restaurer tout l'homme. Pour montrer que tu es venu restaurer l'homme en entier. Oui, Seigneur. Oui, Zolégué, non, qu'on a dit pour ça là, spirituellement. De la même manière que tu le fais spirituellement. L'état aussi au Sarah, Zambé, physiquement. Et pas ceci pour le faire physiquement. Et si tu as ma kiste, ça. Là où il y a des kistes. Olomboli, la voilà, compone, Jésus. Et si tu as sida, ça. Au guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis comme un cancer. Maladie nuance au Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Au nom de la combo. Il y a bon des bongos dans ma table. Combo le petit qui ça. Et ta gloire. Et débloquer la situation, ma soeur. Et débloquer la situation, mon frère. Merci à l'État de la même il parle en bon cabot. Merci à l'État de la
courage. Oh, ya kunga kola na pongi te. Ana na pongi mara. Oh, ya kana mitungi si kini eko sala kati na ya. Oh, tani zambe longa. Ya kona tato ni na kumi si osela. Ya kona ele pele kati na kote te do mabo kwa kote ni kona ne. Yo me zambe la wanda. Ye si kana maya kongo. Ye kona pele na solo puso mbeto. Oza la na yo kloi. Yo me pe. Seigneur, me sauveur. Amen. Amen. Qui n'y a pas le Seigneur, soit le partage de tes chers.